ou sous journée gouvernement. Journée aujourd'hui, c'est lundi 7 octobre 2013. Yon date qui gagne en pile signification pour nous-mêmes haïtiens. Pour qui ça? C'est parce que c'est journée mondiale habitat, journée mondiale côté moun rete. Mais li pa gen sens ça seulement, li surtout gagne yon sens global. L'on rete on côté, c'est tout environnement qui la donne. Tout ça qui existe côté, on lui fait partie de kay kotorete a. Exemple, la ri kotorete a, moun qui habite à côté ou et l'autre kayo, l'autre maison, l'autre quartier tout qui proche kotorete a. C'est comme ça, journée jodi an, UCLBP, unité de construction de logements et de bâtiments publics, yon organisme que président Martelly a créé dans l'année 2011 a fêté, a célébré dans une journée porte ouverte, journée mondiale habitat. Journée jodi a, nous-mêmes haïtiens nous interpellé par journée ça. Ça fait ça. C'est depuis le tremblement de terre 2010 là, en pile kay est écrasé. Plusieurs millions haïtiens t'ont trouvé dans la rue. Pour nous dire bien, 1.5 million moun t'ont trouvé dans la rue. Et journée jodi a, pays nous a grand besoin de kay. Et unité de logement et de construction de bâtiments publics là, UCLBP, c'est lui-même qui gagne mandat ça en mêle avec un paquet de notre organisme. Unité ça a été créé, n'a pas appelé par président Martelly en l'année 2011. Ingénieur Adam, c'est lui qui directeur général unité ça. Bon, c'est la première fois que nous avons commémoré la Journée mondiale de l'habitat. Et c'est une journée qui mondialement est arrêtée. Et c'est tous les premiers lundis du mois d'octobre pour que nous soyons capables de commémorer la question de l'habitat. Or, UCLBP, c'est l'unité de construction de logements et de bâtiments publics. Et c'est une unité que le gouvernement a mis en place pour garder la question de logement à travers le pays. Et pour aussi coordonner l'action de différents partenaires que nous gagnons. Et il se trouve que l'unité à travail, son politique du logement et de l'habitat, n'a pas de sanction gouvernement par rapport à la politique ça. Et une fois que le gouvernement a sanctionné, que l'a approuvé, et donc n'a publié. Alors, une fois que nous disposons de politique ça, nous pas capables de passer sous silence journée ça, qui c'est journée internationale de l'habitat, côté système Nations Unies à travers ONU Habitat, invité. Et la population mondiale là réfléchit sur la question du bien-être de l'homme, du bien-être de l'homme côté la vive. Et ils ont choisi un thème qui est important pour nous. Regardez ça, nous avons vu aujourd'hui dans Pétionville là, mobilité urbaine. Comment nous avons déplacé en dans la ville? Comment la population est capable d'accéder à ces services sans qu'elle n'ait pas besoin de perdre une heure de temps, deux heures de temps, trois heures de temps? C'est des thèmes qui sont très importants. Et donc, nous avons décidé, dans le cadre de l'unité, de commémorer la journée ça. Nous profiter de la journée porte ouverte. D'abord, pour que le public lui-même soit capable de vivre local. Nous m'entendez à parler de UCLBP à travers le projet de bâtiment public que nous avons, à travers divers chantiers. Nous sommes capables de vivre comment UPLBP a fonctionné. Qui équipe que l'on a à disposition la population qui a le service. Mais en même temps, nous profiter pour faire partenaire nous, qui sont des gens et des institutions qui travaillent avec nous, qui mettent en œuvre tous des projets de logement. Et puis, on vient exposer au même tour pour la population capable de bonne idée de toute activité gouvernement à travers le pays dans le cadre de projet de logement. C'est ainsi que FAES, et qui a mis en œuvre, qui a mis en œuvre le projet 400%, qui a mis en œuvre des autres projets et à travers le pays, surtout dans le pays. C'est ainsi que BMPAD qui a mis en œuvre des projets de réhabilitation quartier d'Elma 30 de Cafoufeuille. Et l'autre côté encore, avec nous, EPPLS, qui est une partenaire privilégiée, nous, dans la mesure où EPPLS est une entreprise publique de promotion de logements sociaux. Nous-mêmes, dans l'UCLBP, nous avons gardé le logement social, nous avons gardé le logement comme secteur d'activité économique. Tout. Donc, EPPLS là avec nous, naturellement, Mairio, puisque c'est Mairio qui est dépositaire de gestion territoriale, c'est eux qui ont géré Villio, donc là avec nous, pour venir montrer la population hein, qui projet ont gagné, qui vision ont pour Villio. Et donc, nous avons mairie de Delma, mairie de Port-au-Prince et mairie de Pétionville qui sont avec nous aujourd'hui. Hein. Gagner un travail qui pour faire pour que nous capables vraiment faire un bilan. Mais il est clair que le tremblement de terre vient mettre à jour le problème logement dans le pays. Et le regard des Port-au-Prince entouré de bidonvilles, il est clair que la question de l'habitat d'une manière générale se pose. 1 500 000 personnes qui retrouvent sans abri après le tremblement de terre là, ça frappe le gouvernement. Et le gouvernement pensait à travers l'unité de construction de logement et de bâtiments publics apporter une réponse immédiate par la construction de nouveaux logements, dans la mesure où nous avons des financements qui sont parés et puis nous avons une ambiance d'urgence. Mais en même temps, on a réfléchi tout sur la politique logement et l'habitat.
politique logement, parce que nous n'avons pas de ressources qui peuvent permettre que nous sommes capables de construire un CAE pour nous travailler chaque frais nous qui nous nécessité. Mais il faut nous joindre des solutions intelligentes pour nous capables d'adresser questions, hein. Question logement en particulier, mais question habitat d'une manière générale. Et ça va l'amener nous à garder ville Port-au-Prince, ça va l'amener nous à garder des quartiers défavorisés, quand on jalousie sur lequel on a fait des interventions et que Mounio trouvait très mitigé dans la mesure où il est parti et visible là, alors qu'au fond, il y a un pile de travail qui a fait derrière avec l'organisation qui a vécu dans le quartier Sahel pour que nous capables porter sécurité, pour que nous capables porter lumière, pour que nous capables apporter un mieux-être. Pour que nous capables de mettre Mounio dans la condition pour vivre plus bien dans le quartier. Et bien bon, et nous sommes capables même tout évoquer Canaan. Tout le monde est inquiet par rapport à ce qui a passé Canaan là. Il y a 2 ans, et nous avons une population qui était envahie au monde, qu'on est venu un véritable village. Et nous avons demandé si ce n'est pas la 3e agglomération plus importante qui vient là autour de Port-au-Prince. Et donc, Unité a un mandat pour que, à côté de questions de bâtiment public, à côté de questions de relocalisation de monde qui vivent en battante et réhabilitation de quartiers précaires, pour nous garder question habitat d'une manière générale et même avec institutions partenaires, puisque nous pas seuls. Il voulait préciser ça, il voulait que tout le monde comprenne. Bah, Charles n'a pas tombé sous dos UCLBP seulement, Charles a tombé sous dos un ensemble d'acteurs et que le gouvernement mettait en place à travers le SIAT, à travers le ministère des Travaux publics, qui est un gros partenaire, nous, où on doit avoir l'union stand en bas, qu'on doit profiter, exposer toute une série d'outils qu'ils ont développés pour que le monde soit capable d'avoir un habitat beaucoup plus sûr, beaucoup plus et sécuritaire. Et bien, avec tout partenaire, ça, nous pourrons obliger à aborder des questions et habitat et ville d'une manière générale. Nous faisons une première phase dans la jalousie en couleur. Côté tout le monde capable de voir sur le plan visuel, il y aurait peinture. Il y aurait peinture et Pétionville entouré et d'un bidonville Kounien, côté Mounio, un petit fier de peinture, et Kayo par des cailles gris, et dans un quartier qui est réputé, et un quartier et côté gain, enfin, pas de bon bagage qui a passé. En de jalousie, c'est l'entrée là pour rendre compte que la population qui vit, qui a pile d'activités que l'a mené et qui était trop content de recevoir nous et avec eux-mêmes nous déterminer qui travaille pour nous faire. Et nous travaillons sur réhabilitation de route, nous avons un projet de route qui a fait de la Kounia, nous travaillons sur aménagement de corridors, nous travaillons sur mise en place une série d'escaliers qui pourraient nous rendre les cailloux beaucoup plus accessibles. Cailloux ou peinture, nous crépillons avant de peinturer et quand il le faut, nous faisons des réparations là-dedans, parce que ce n'est pas bon du tout. Nous ne pouvons pas intervenir dans un cas comme ça, sans que nous ne gardions pas l'aspect-là. Naturellement, il y a des problèmes qui posaient avec des mondes ou des institutions qui pensaient, compte tenu du fait que y a un faille sismique qui passait dans la zone et que et nous ne pouvons pas investir là. Mais malheureusement, et là, en tête l'État qui prend des décisions, obligé de prendre des décisions qui parfois sont très lourdes, obligé de peser. Nous avons une population, nous avons des frères qui vivent là. Et nous pouvons parer pour que nous retirer là. Alors ça n'a pas fait. Est-ce qu'on a quitté là ou bien est-ce qu'on va laisser améliorer Katia pour améliorer les conditions de vie? Et puis après, au fur et à mesure que l'institution prend force, nous sommes capables de mettre en application un plan que nous avons pour gestion des risques. Le ça, nous pouvons appliquer ça, dit nous, pour nous débarrasser certaines zones, parce que c'est des zones qui sont trop fortes, pas trop bien que vous trouvez dans le talvec. Et puis au fur et à mesure, c'est pour un travail qui est capable de faire le lendemain. Des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous-mêmes, qui ont une structure, qui ont une institution qui est très forte, après un pile temps avant de réhabiliter quartier ça. C'est un travail de longue haleine que lié. Mais il faut nous commencer à côté. Et là, nous-mêmes, nous commençons, nous choisissons de commencer comme ça. Et nous prenons tout courage nous à demain pour nous commencer avec l'aménagement des routes, l'aménagement des corridors, l'électricité, rendre le quartier un genre plus sécuritaire pour que les gens capables de circuler, pour qu'une ambulance puisse rentrer, pour que un camion capable de porter de l'eau long ici, pas gagner de l'eau, de manière à ce que les gens capables de vivre bien. Avec les Kounien, nous pouvons négocier plan et de mise en œuvre pour tenir compte de gestion des risques pendant que nous connaissons qu'il y a des risques. Mais nous ne pouvons pas faire tout ensemble. Jean-Ingénieur Adam s'est expliqué nous là, il était extrêmement important pour le président de la République, à son excellence, Michel Joseph Martelly, pour lui créer l'institution ça, parce que leur était arrivé la tête de l'État, il était jeune un pays qui était fait sortir en bas tremblement de terre et en pile monde en battante. UCLBP te font un gros travail pour être capable de relocaliser les gens. Et journée aujourd'hui, UCLBP a travaillé pour être capable de réaménager une série de quartiers précaires dans la capitale. Donc le quartier Jalousie et UCLBP. Tout
tout a travaillé pour implanter nouveaux quartiers qui dans pied Mon Cabrit là. Ingénieur Adam a parlé de ça. Nous gagnons Mon Cabrit qui sont nouveaux quartiers lui-même qui dérapé un peu sur les chapeaux de roue tout de suite après le tremblement de terre là, côté tu gagne nécessité une réponse rapide et à des monde qui t'a vivre dans des conditions capable dire inacceptables. Et nous avons une commande de 3000 logements, il y a 1500 parés, nous avons inauguré l'autre jour là, et nous avons travaillé pour voir si nous avons fini l'autre 1500. Mais nous avons parlé de Mon Cabrit, il y a un pile de monde qui a passé au village là, et nous avons rendu compte que c'est son village que lié. Son village qui a l'école, son village qui a un parc industriel là-dedans pour lequel nous sommes en train de négocier des travaux, et là, de manière à ce qu'on firme, tu es capable de venir pour le travail là-dedans. Et nous avons une étude qui a fait pour si nous avons un type d'emploi bien particulier que nous capable d'offrir à la population. Nous avons l'école, nous avons un centre de santé, nous avons un bureau de police, nous avons un pompier, nous avons un premier village qui a un centre de traitement pour de l'eau noire, réservoir paré. Nous avons fait 2 semaines à tester pour que nous assurions que le film nous remette nos réservoirs avec un circuit hydraulique que Dini n'est pas accepté. Nous avons recruté les gens, nous avons recruté son base transparente avec des critères bien définis de manière à ce que les gens soient capables de venir et nous avons fait et formation pour eux. Nous avons fait tout un série d'activités qui pour permettre que eux-mêmes acceptent de vivre ensemble et de vivre en communauté. Déjà, UCLB peut commander et sous place déjà des bus qui prennent le bas mounio possibilité dans un premier temps en attendant que le secteur privé vienne faire travailler ça parce que le secteur privé a venu. Il y a des gens qui connaissent, des gens qui viennent là pour porter des bus, pour venir avec tap-tap, pour venir chercher. Mais en attendant, on met des bus à disposition qui pourraient faire la navette entre le village là avec quoi des bouquets. Et EDH a mis des compteurs. Et bon, je suppose que le village là, au fur et à mesure, pourrait prendre forme. Et il y a beaucoup insisté sur, et son commande, tout je suis capable de dire, le gouvernement, en particulier le président de la République, sur l'aspect environnemental et pour que nous soyons capables de plantes. Eh bien bon, nous avons des agronomes, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Agriculture, nous avons mis des plantes, mais nous n'avons pas mis des plantes. Tout grandit, parce que les plantes tout grandit coûtent très cher. Et encore une fois, nous sommes un pays qui a des ressources, il faut nous gérer au mieux de capacité. Nous. Donc nous avons mis des plantes, nous avons acheté déjà un camion citerne et association des habitants qui peuvent vivre là, pour aller gagner avec camion citerne et avec institution que nous identifions pour faire gestion, pour arroser les plantes. Et nous pensons que dans 2 ou 3 ans, nous avons un village vert dans la mesure où nous avons réussi Paris, faire mon vivre ensemble. Pour l'instant, nous avons un bon critère. Parce que ce n'est pas des procédures d'application dans la mesure où le village est dédié spécifiquement à des gens qui sont victimes de tremblement de terre. Donc, si je fais une procédure d'application, les gens qui ne sont pas victimes de tremblement de terre sont capables d'appliquer. Nous-mêmes, avec OIM, qui dès le départ a aidé nous à faire un recensement village dans le cadre du projet 16, recensement quand nous avons des informations sur tout le monde qui est victime de tremblement de terre et nous disposons d'une base de données qui dit. Qui est monde qui était victime de tremblement de terre et qui était retrouvé dans le camp après tremblement de terre là. Donc en base ça nous même dans chercher. Et dans chercher donc nous sûr que son monde qui est victime de tremblement de terre parce que c'est en base de données à le prendre. Dans chercher des monde qui démontrent qu'ils ont une capacité de payer et des monde qui voulaient vivre. Donc là nous fini identifier monde qui est subit et tremblement de terre là qui est victime. Nous assurons que nous jouons le monde avec l'identifié. Pour qui ça? Parce que le monde ça lui-même, ou bien dans la zone, parce que ce n'est pas la peine pour le monde qui a une base, li, qui a un triple intérêt de Kafou, pour me demander pour la vivre dans le pied de Mon Cabrit. Donc nous cherchons le monde qui vit dans la région, côté bah, là, de manière à ce que c'est là où il est ancré déjà. Il y a un contact, il y a un attache, il a fait 7 km, 8 km, puis il arrive à des bouquets. Il y a déjà un monde là, plein, donc il vient là. Quand nous rencontrons, nous avons un téléphone, nous avons un NIF, nous avons tout le monde, ils expriment besoin, désir pour venir vivre là. Parce que les gens connaissent qu'ils peuvent vivre dans un nouveau quartier et qu'ils ont des efforts qu'ils peuvent faire. Ils peuvent entrer dans une nouvelle association. Ils peuvent vivre dans l'autre gens. Ensuite, les gens ont démontré une capacité de payer. Parce que pas oublier que l'État n'a pas bail. L'État n'a pas gagné corps pour bail chaque génération. L'État a augmenté pour l'instant le parc locatif. Et avec le parc locatif, ça l'a ploué. Et n'a plus quand même à 2500 gouttes. Et le président a décidé que pour 6 premiers mois, n'a plus à 1500 gouttes, à $300. Donc, il y a 6 premiers mois qui ont une subvention spéciale. Ensuite, il y a une subvention presque tout, pendant tout le temps qu'on a fait, qui c'est 2500 gouttes. Alors, ça est intéressant tout pour nous comprendre que, quelque part, on réfléchit, entre moi-même ou même, toute équipe technique là qui est là avec moi, qui est le monde qui, pendant la vie,
pas louer un caillé. Mais on paraît que le caillé qu'on loue à toute vie. Non. Le fait que nous-mêmes, nous avons un parc locatif, ça, que nous avons augmenté, c'est normal. Parce que tout le monde, dans sa vie, a au moins une fois loué une maison. Pendant qu'on loue un caillé là, eh bien bon, on va évoluer, la situation économique va améliorer, et à un gros moment qu'on a pris, on va quitter un caillé là. Et vous parlez de l'autre monde. Et bien, c'est un peu ça, l'idée et l'esprit du projet, ou jusqu'à ce que vous-même vous capable d'acquérir. Le thème aménagement urbain est très vaste. D'accord. Et nous pas pour compte nous la donne. Et son gros chantier lié, nous pas qu'à faire économie. Il va falloir absolument que nous attaquions de front, parce qu'il n'est pas possible que nous quittions en plein 21e siècle, ville nous a évolué sans vision, sans planification. Mais là, nous faut s'y attendre avec. Faut tout l'État sur ça. Mais en ce qui a trait à la cité administrative, là, les mêmes qui sont l'autre gros volet de mandat, nous, et nous avons la première action qui fait là, c'est que le gouvernement a déclaré les levées arrêtées d'utilité publique sur toute centre-ville, là, les déclarer d'utilité publique, une superficie qui est à droite et à gauche de rue Chandmas là, et qui le long de rue Monseigneur Guillou. Nous avons goûté là qui parti. Et c'est là que nous allons implanter le bâtiment public. Yo. Nous avons 42 qui tombent. Nous faisons un plan masse. Mais je profite de l'opportunité que vous avez et grand frère, moi, et tout sauvé, pour aller écouter ça, je me dis, et je me disais que je suis allé, que je réforme, qu'on ait gagné des efforts qu'on a fait. Mais comme nous-mêmes, nous avons avancé, nous avons que l'autre institution qui est avec nous, et je cite les travaux publics, marche avec nous ensemble. Parce que pendant que nous faisons le bâtiment public, il est clair que la question de voirie a été adressée. Nous avons fait étude pour la route principale, là, cette rue qui va devenir très large, à deux fois deux voies, qui est la route du Champ de Mars, et nous allons jouer à droite et à gauche et tout le bâtiment public. Yo. Nous commençons déjà avec le ministère du Commerce, qui lui-même côté le TIA, justement pour gagner du temps. Nous commençons avec Jean Pider. Ensuite, nous allons commencer avec le ministère de l'Intérieur, encore pour gagner du temps. Et puis, nous faisons arrêter l'utilité publique, là, et puis nous commençons à dédommager les gens. Tout le monde qui était dans le bloc, ministère de l'Intérieur, ministère des Travaux publics, ministère des Finances, nous dédommageons tout, nous mettons toll, nous faisons appel d'offres pour lui, nous allons construire là, ministère des Finances, direction générale de la douane, et puis DGI, direction générale des impôts. Il y a trois gros bâtiments majeurs qui pourraient commencer là, qui pourraient vraiment démarrer la cité administrative là. Pendant que nous avons cinq autres qui ont marché déjà, nous avons ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères, Cap Marché. Nous avons Parlement, gros bâtiment, 33 millions de dollars, 9 étages, Cap Marché. Nous avons Villa d'accueil, le coulé béton. Comme nous avons un coup d'œil sur le champ de masse là, tout qui lit même cette tête cité administrative là, nous avons Oxygenti qui a fait. Nous avons vraiment un stadium là avec 5000 places assises, côté, nous sommes capables de garder le kiosque là qu'on y a, si un spectacle qui a fait. Nous avons Ciné Triomphe qui a été fait avec deux belles salles. Côté nous avons accueilli aux environs 700 à 800 personnes. Une grosse salle et de convention à côté. Nous avons pris un petit à côté, un baron de souhait, nous avons refait le rôle d'entrée de manière à ce que les et visiteurs viennent, nous sont capables de jouer un rôle qui est capable d'accueillir autant de monde que ça, nous sommes capables de prendre. Parallèlement, nous avons Rex. Rex a fait. Donc, il y a autant de projets qui viennent là, dans l'air du champ de Mars, et qui peuvent entourer et toute zone champ de Mars et cité administrative. Là. Avec des ressources du gouvernement canadien, nous pouvons commencer toute réhabilitation de la place champ de Mars. Nous n'avons pas pour nous faire tout, mais nous avons pour nous faire toute zone côté place occidentale pour nous rebâtir un caractère unifié. Parce que la place champ de Mars, c'est pareil. Nous avons une place qui était coupée en plusieurs petits bouts de place. Nous avons une dizaine de places. Nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça. Et puis, nous avons une traversée qui est coupée en biais. Et bien, nous pouvons le faire, mais nous pouvons faire un gros parc pour que nous ayons conscience que là, nous sommes sous champ de Mars. Nous avons un parc champ de Mars. Oui, ça, nous pouvons venir une piétonnière côté où nous sommes capables de circuler normalement. Nous avons cinq gros centres sportifs. Nous-mêmes. Au-delà de l'autre cap fait déjà, qui démarrait, dont yon paré pour l'inauguration, c'est ça qu'on a mettre là. Après ça, nous avons Gonaïve, yon jan cap avancé, nous avons Mian Balé très avancé, qui est supposé parer en 10 fin novembre pour l'inauguration. Nous avons Jacques Mel très avancé, qui est supposé parer avant fin novembre. Nous avons Kai qui est très avancé. Donc nous avons 5. Wanamed, Gonaïve, Mian Balé, Kai, Jacques Mel. Gros centre sportif. Gazon synthétique, terrain multisport, complet. Nous avons
Jacques Mel, un équipement très important pour la ville, là, qui est le centre de convention. Hein? Et un centre de convention capable de prendre un peu plus d'un millier de monde, très important. Et nous avons Malécong, qui est le boulevard qui longe et plage là. Et en attendant que le projet, l'hôtel là, attaqué, et Gontitan qui a perdu tout petit avec négociation avec le propriétaire là, mais nous connaissons son bail qui est tout à fait normal. En face du centre de convention, nous avons une place qui finit tout. Donc nous attendons que nous remettions le boulevard là, avec un petit amphithéâtre qui a fait la pointe là, pour que nous inaugurions le boulevard là, centre de convention hein, et stade là, en même temps avec cette place là. Là, c'est un bail très clair et que le gouvernement mettait vraiment le paquet. Et sous et Jacques Mel, qui a été décidé que c'était une destination touristique. Habitat, ce n'est pas seulement caille, ce n'est pas seulement côté mounreté. Habitat, c'est tout environnement. Habitat, je ne tape Julien, c'est la rue, c'est pied-bois, c'est ou même tout qui pour entretenir le quartier. C'est peut-être ça qui fait que UCLBP, notre travail, ça a que le gagné sur logements sociaux et ensuite réaménager une série de quartiers, il n'y a pas pour compte. Il y a un pile d'autres organismes qui a travaillé avec. Nous avons cité le ministère TPTC à communication, nous avons cité le ministère des Affaires sociales, nous avons cité FAYES et plusieurs autres organismes. Encore tant que ONU Habitat qui a travaillé avec UCLBP, le travail ça a pour bail ville nous yon l'autre figure. Nos travaux publics depuis Belle Lurette, près de 3 ans, n'a fait travail là. C'est pour le peuple, côté que nous, en tout premier lieu, après ça, côté que c'était une grande catastrophe, nous faisons évaluation, nous évaluons les maisons, nous faisons contrôle de qualité sur les maisons à construire. Nous faisons formation pour les maçons et pour les ouvriers. Les ouvriers, les maçons, les architectes et les ingénieurs. Et en dernier lieu, nous faisons campagne de communication. Mais jusqu'à présent, le travail a été dans l'ombre, il a été dans l'œuf, dans la mesure que il n'y a pas de jambes explosées au public. Bien entendu, nous faisons des expositions au Champ de Mars, nous avons participé à une exposition au Cap Haïtien, mais ce n'était pas encore ça. Donc, Journée mondiale de l'habitat et du logement, ça, il est venu à point côté que nous-mêmes, nous profitons de ces circonstances pour nous mettre œuvre en valeur, pour nous mettre toute activité nous en pratique, côté que nous dévoilons à peuple pour nous voir le travail que nous faisons. Et nous, en même temps, nous faisons un travail de sensibilisation côté que nous montrons. Mais comment vous construire, mais comment vous utiliser les matériaux, mais comment vous interpréter le travail qui est dans la rue, de sorte que pour ça que tu produis, on ne va pas produire encore. FAYES a un paquet de programmes qui sont liés au logement, hein, qui sont liés à la journée même, hein, qui joue au mondial de l'habitat. Et il y a une unité en dedans qui est l'unité du SPICH. SPICH, c'est là, il veut dire programme de soutien au plan d'intervention dans le secteur de l'habitat. Et nous tous qui là, nous c'est des consultants hein, au sein du FAES qui travaillent sur le programme ça. Le programme ça, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect logement, hein, logement aux familles vulnérables. Il y a un autre aspect qui est aspect appui. Hein, à des ministères et parfois même hein, des appuis institutionnels, si nous avons dit comme ça. Hein, et ils ont une composante là-dedans qui est très particulière, qui parle hein, une composante de gestion, hein, de mettre en place un plan directeur hein, pour le développement de la zone nord de Port-au-Prince, hein, qui parle couvrir la région Canaan hein, et tout environnement ça. Hein, que je connais que le Premier ministre là, hein, intéressé à planifier les zones. Amélioration de la vie des gens d'abord. Il y a un bail primordial là, c'est que les gens qui sont en battant, ils sont environnement insalubre. Je dis à 400% fait. 400% c'est une réalité. Hein, nous avons 407 personnes qui habitent la région Orangia, dans environnement qui est assaini. Hein, côté que les gens ont accès à l'eau potable, ils ont accès à l'électricité. Il y a accès à un système de voirie, hein, à la fois véhicules et piétons, hein, qui permettent que l'y fonctionner, que la mobilité qui est faite à l'intérieur de 400% l'y assurée.
ONU Habitat, c'est branche Nations Unies qui occupe de questions habitat en général. Et donc, en Haïti, il est présent depuis quelques années en Haïti, il était là peut-être dans les années 90, il retournait après le tremblement de terre là. Et Rolly, c'est assister, accompagner l'institution haïtienne dans tout travail de réflexion, à la fois travail normatif et dans toute action qui a mené tout dans le domaine de l'habitat en général. Alors, comme vous bien dit, je dis à ces journées mondiales de l'habitat, donc on a protocolé avec UCLBP. D'ailleurs, UCLBP, c'est un partenaire nous, un partenaire principal nous. Donc, on a commémoré l'événement, si vous voulez, avec eux. Et l'intérêt, c'est que nous voulons, on susciter réflexion population sur la question habitat. Vous comprenez que la population haïtienne réveille sur la question habitat, surtout après le tremblement de terre là. Quand il y a tellement de dégâts, nous venons questionner sur la question habitat. Ouais. Donc là, nous-mêmes, nous voulons, susciter une réflexion plus systématique sur tout ce qui a fait et tout ça gain pour faire dans le domaine habitat. Donc là, c'est stand par nous, hein. Côté qu'on a fait différents travaux, côté qu'on est intervenu déjà. Moi, je dis par exemple que UCLBP, c'est une partenaire nous. Et nous travaillons avec eux depuis sur la question de politique de logement, depuis sur comment pour nous réhabiliter et améliorer le niveau de ville en habitat, habitat précaire, en particulier dans la ville. Comment tout que nous pouvons faire des formations pour des gens qui sont appelés à intervenir dans l'habitat. Ouais. Parce que nous faisons des diagnostics de qui faille, qui type de faille que nous rencontrons, dans les gens que nous avons construit et nous voulons accompagner eux. Parce que nous ne sommes pas capables de dire que tout le monde prend brusquement à l'eau ingénieur ou architecte pour faire un travail de construction, logement, etc. Donc nous préférons former les gens qui habilitent à intervenir. Nous faisons ce type de travail, ça, nous analyser des problématiques de Canaan. Et nous travaillons avec des institutions, comme le ministère de l'Intérieur, surtout pour nous appui à Mairie. Parce que Mairie, c'est ça que les gouvernements locaux. Ils ont pile responsabilité sur le développement de ville, sur comment la ville a développé, sur qui normes, bio, bail, etc. pour capable orienter le développement de ville. Donc nous avons tout un accompagnement que nous avons au ministère de l'Intérieur, à travers notamment ce que nous appelons les ATL. Donc les ATL, ce sont des équipes techniques qui accompagnent Mairie. Nous formons, nous apprenons, nous faisons des diagnostics de territoire côté OIA. Et puis nous accompagner tout pour définir une vision et un plan de développement local tout pour différents territoires. Les affaires côté Mounrité, c'est une affaire qui est extrêmement importante. Ce n'est pas seulement deux chambres qui sont campées côté que vous êtes en train. Ça, vous êtes là, vous êtes que tout organisme qui est là, qui pour appuyer la question du logement dans le pays d'Haïti, a participé, journée aujourd'hui, dans la journée mondiale de l'habitat. Sous chapeau, UCLBP qui lui-même a gagné un job pour lui capable de travailler dans la question du logement social et tout pour lui travailler dans le réaménagement urbain. Je vous souhaite que l'ingénieur Adam soit expliqué nous que Port-au-Prince, Chanmas, couloir administratif là, pral gagner yon lot figi. Et tout partenaire yo qui la dans journée mondiale habitat, yo tout d'accord, faut que yo pote kole ensemble pour yo capable instruire nous-mêmes haïtiens avec haïtiennes. Premièrement, qui jan que n'a bâti, instruire nous comment pour nous bâtir de manière sécuritaire parce que pays nous son pays à risque de tremblement de terre. Et deuxièmement, mener une politique de logement pour que l'État capable construire kay, permettre que même avec les haïtiens qui ont besoin de caille, jouer une caille. Et deuxièmement, le secteur privé est capable de rentrer dans la politique de logement qui peut permettre que les conditions de la vie nous améliorent. Tout environnement qui doit aménager très bien pour que les jeunes garçons et les jeunes femmes dans le pays d'Haïti sentent qu'ils vivent dans des villes modernes, qu'ils vivent dans des quartiers propres et bien aménagés. Technicien, c'est toujours Jackson Desimon, monteur Valérie Aurélus. C'était Journée Gouvernement.